Pour la dernière fois de la saison, les moniteurs en pull rouge de l'ASF ont décidé d'organiser leur descente au flambeau au pied des pistes de la Daille. Après un très poétique lâché de ballon brésilien, 120 personnes ont participé à la chenille lumineuse en partant du restaurant Le Trifolet avant d'arriver sur le front de neige de la Daille. C'était super, vraiment une super expérience. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était génial. Un grand feu d'artifice réalisé avec la complicité du service animation de la station a couronné cette descente. À la suite de quoi, chacun a pu s'abreuver de la boisson chaude traditionnelle du pays. Différente bien sûr selon que l'on soit grand ou petit. C'est bien de développer aussi une animation pour la Daille parce que c'est aussi un petit village. Et je pense que l'école de ski, comme nous sommes implantés aussi sur ce secteur à la Daille, on mérite de faire un petit clin d'œil pour les touristes qui viennent nous voir et qui sont aussi clients chez nous. Et voilà. Pendant une soirée, la Daille fut donc à l'honneur et plus de 1000 personnes sont venues participer à cet événement.